C'est même très 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 bien. Et les obligations, évidemment, ça me pompe mon fric. Voilà, ça me pomperait un peu moins mon fric. Beaucoup moins même. D'un coup, ça m'a beaucoup moins pompé mon fric, ça, tu vois. Donc, ceci, je dois arriver à 100 000 de profit quotidien en jeu pour pouvoir avoir mon amélioration. Donc, toi, t'as intérêt à carburer et vachement vite. Je suis à 8 h du matin. Enfin, presque 9 h du matin, t'es déjà à 9 000 de bénéfices. C'est pas mal, tu peux faire mieux. Toi, pareil, tu peux faire beaucoup mieux aussi. Après, divertissement, division du jeu ou hébergement. Ouais, faudra voir après. Je sais pas ce qui est le plus rentable en fait. Pas de clients. Impôt trop élevé. Impôt trop élevé. Pas de clients. C'est une blague. Les gros bâtiments tombent les uns après les autres. Parce que vous dites que vous n'avez pas de clients. Ou alors que vous avez des impôts trop élevés. Alors que ça a plus ou moins été revenu à la normale, les impôts. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les profits quotidiens montent. Je vais voir si j'ai... Là, ça baisse par contre, c'est bizarre. Je vais voir si j'ai beaucoup de touristes ou pas. Aucun chômeur, ça c'est déjà très bien. Par contre, j'ai beaucoup de postes vacants. Énormément même. 18 000 postes vacants, c'est pas mal ça quand même. Alors, consommateurs... Il y en a aucun qui sont pas insatisfaits. Qui sont pas satisfaits donc. Et bien non vendus, il y en a quand même quelques-uns. D'accord. Commande en suspens. Ça, je ne comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Nombre de bureaux supplémentaires, ouais, on s'en fout. Et j'ai 10 000 visiteurs par jour. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas assez de clients? Franchement. Ah, toi, tu montes bien. Hein. T'as intérêt à monter aussi en profit quotidien par jour. Normalement, je suis censé mettre encore quelques petits casinos. Je vais voir plus tard si ça devrait être rentable. J'avais déjà essayé de mettre celui-là et ça avait foiré. Faudra voir pour les autres. Hein. Mais il faudrait déjà que j'aie beaucoup plus de sous par heure. Parce que sinon, ça va pas aller. C'est une blague. J'ai eu l'impression qu'il venait d'être construit. Bah bon, c'est peut-être qu'une impression aussi. Pas de clients. Pas d'école. Mais vous vous foutez de ma gueule là, pas d'école. Vous en avez une école ici, non? Alors. Quoi, t'as un problème toi? Qu'est-ce que tu me veux? Ouais non, un feu d'artifice, tu vas faire ça ailleurs. Ici, j'ai des écoles qui sont surpeuplées, mais bon, c'est des écoles quand même. Là, j'ai des écoles. J'enseigne à Zero Sims. Faudra vraiment m'expliquer. Hein. Pourquoi est-ce que vous voulez des écoles si vous n'y allez pas? Et ici? Voilà. Et même pas. Les trucs sont même pas pleins. Oh, j'ai une attaque de zombies. Ils sont où les zombies? D'habitude, ils sont près des hôpitaux ou des cliniques. Les zombies. Non? C'est pas ça? T'es pas un zombie, toi? Ouais, là, il y a des zombies. Voilà. C'est bien ce que je me disais aussi. Il y a un bon petit zombie, là. Il y en a deux, même. C'est quoi, ça? Je rêve ou quoi? C'est ça les personnages? J'espère que c'est parce que leur skin n'est pas encore défini, parce que sinon ils sont vachement moches. Hein. On dirait des gros carrés.
C'est vrai que j'ai jamais fait plus attention. Ils attendent le bus. Bah, j'ai l'impression qu'ils sont mieux faits là que ceux qui attendent le bus, personnellement. Donc voyons voir. Est-ce que l'attaque des zombies fait des ravages? Deux bâtiments qui sont détruits. Qui sont plutôt à détruire. Bâtiment en feu. Mais bon, rien à voir avec les zombies. Ici, pas de clients. D'accord. Donc les zombies font rien en fait. J'ai plus de population, mais je consomme moins d'électricité. Il faudra vraiment m'expliquer un jour. Ah, je parie que celui-là, il est foutu. Non? T'es pas foutu? Bah pourquoi tu t'éclaires pas, toi? Je suis sûr que ça va foirer pour ce bâtiment-là. Donc, voyons voir. Toi ici. 45 000 de bénéfices. Boum! Tu fais encore mieux aujourd'hui. Et je t'offre une fleur parce que je pourrais t'améliorer après. Alors voyons voir. Est-ce que je prends d'abord appartement terrasse ou est-ce que je prends d'abord salon de crasse? Division jeu pour ça. Et évidemment division hébergement pour ça. Il y a deux trucs de division hébergement. Et un pour le crafts. 120 joueurs. Résident joueur, j'ai combien de différence? Ouais, alors j'ai que des faibles en résident qui viennent. Ah ouais, ça c'est en hauteur. Ah non, ça m'intéresse pas ça. Sinon j'en aurais peut-être bien mis un là derrière et au-dessus ici, celui de classe 3, ainsi que le truc de craps. Ouais, c'est vrai ça, j'ai 80. C'est bien ça. Alors, apparemment j'ai un problème de santé. Ouais, si vous avez vu, j'ai un problème de santé, vous. Je pige pas. Quoi, vous n'avez plus d'employés. C'est une blague. Non, mais c'est une horrible blague. C'est pas possible. Je sens que cette route-ci, hein, qui est commerciale, je vais l'éliminer et je vais mettre des résidences à la place parce qu'on a ici un beau palmarès de commerce et là j'en ai quelques-uns aussi donc ici ça servira plus à rien surtout qu'ils ferment pour manque de main-d'œuvre donc oui ça devient important de minimiser les dégâts donc voilà, vous avez des résidences, vous avez plus qu'à construire vos résidences. Et m'énervez pas. Hein. Oh, il y a des bâtiments qui se forment entre les trucs, comme je l'avais fait avant. Là, il n'y aura pas la place, là, il n'y aura pas la place, là non plus. Ouais, donc j'avais vraiment mis le truc où il y aurait la seule place disponible. Ici, je crois que s'ils font des plus gros bâtiments, il y a moyen de prendre toute la place. Je ne suis pas sûr. J'aimerais bien qu'ils fassent de plus gros bâtiments, ça pourrait être bien. Quoi encore? Pas de clients, mais vous vous foutez de ma gueule. Pas d'école. Pas d'école. Tu te fous de ma gueule? C'est pas possible ça, pas d'école. Pourquoi ils disent qu'ils ont pas d'école alors qu'il y en a une?
Ah d'accord, comment je fais maintenant moi? J'avais laissé ce truc-là exprès. Voilà, normalement ça va faire de la pollution du sol, je le sens, je sais pas pourquoi. En plus ça se voit à l'œil nu. Oh oui, une sacrée pollution du sol même. Mais je m'en fous, moi je veux faire ça. Et si t'as la place pour un autre... Ouais, t'en as un là. Je pourrais en mettre un là après. Donc ça c'est nickel. Du coup, moi, évidemment, je vais mettre quelques arbres sur cette implantation de merde qui était là. Tiens, je te mets des arbres partout, moi, dans toute ma ville. Comme ça, je suis sûr qu'il y a moins de pollution. Enfin, j'espère que ça diminue aussi la pollution atmosphérique, en fait. Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vérifié sur Internet si ça diminuait quelque pollution que ce soit atmosphériquement. J'ai vu beaucoup de gens qui faisaient dans leurs vidéos ça pour puiser la pollution du sol. Ça marche très bien d'ailleurs. Mais l'atmosphère, je ne sais pas si ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je l'élimine moi? Et voilà. Donc on vérifiera ça après. J'aimerais bien que tu passes à 35, à 85. Ça pourrait être bien. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que vous êtes passé en... Je vais détruire les bâtiments qui sont commerciaux ici. Faisons de gros bénéfices, ouais. Ah, vous m'énervez. Les touristes explosent nos ventes. Manque de main-d'œuvre, fermé. Toi, tu vas dégager aussi. Ici, vous pouvez faire un beau bâtiment résidentiel. Et cela, bah, voilà. Ça m'énerve de faire ça. Cette tour-là, je vais leur laisser la supprimer et reconstruire après eux-mêmes parce que je la trouve belle. Donc je vais la laisser. Voilà. Normalement, ici, vous n'avez plus d'excuses. J'ai détruit la concurrence. Vous devez avoir plus de main-d'œuvre et aussi faire plus de ventes. C'est vital que vous fonctionniez bien. Manque de main d'œuvre. D'accord. Alors ici l'hôpital il fonctionne, ça c'est bon. Lui il a jamais cessé de fonctionner et lui ça marche aussi. Bon toi tu me fais chier, voilà. Boum. Et les écoles qui fonctionnent pas, j'aime pas ça. Donc ici, on va sûrement rouspéter parce que j'ai plus de poubelle. Alors, nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Ouais. Nous avons besoin d'argent. Ouais, donc il y a un problème d'ordure. Le problème, c'est que si je rouvre ça, eh ben, il va vite être en surexploitation. Je sais pas si je peux en mettre n'importe où des... Ah si je peux. Ah c'est génial. Je vais pouvoir remettre de nouvel endroit pour pouvoir mettre les trucs après. Je vais tous les rouvrir. Voilà. Donc il me faudra une autre ville dans le coin aussi. Exemple, là ça pourrait être bien, ou là ça peut être bien aussi. Ah, il y a du pétrole là, je vais.
Ouais, non, ici ça sera celle où je ferai de l'exploitation minière et là bah je mettrai j'exploiterai peut-être un tout petit peu le pétrole, mais sinon je ferai surtout du recyclage dans celle-là. Parce que comme ça j'enverrai les camions de recyclage ici, ils arrêteront de m'emmerder. Et ça monte hein, ici. 1800 visites. Donc, oh, c'est nickel ça. C'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est ce que je suis occupé à faire, hein. Ouais, donc il faut encore que j'explose les scores de vente. Et pour ça, il me faut du fric. Ah ouais, je peux pas encore. C'est une erreur, ça. Parce qu'une fois que j'aurai du fric, je pourrais peut-être placer encore un casino. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ou alors je mettrais bien un truc touristique. Tour de Pise par exemple. Ça coûte pas très cher et ça a un attrait touristique élevé. Oula, c'est pas sérieux. Y a un problème d'eau. Ah bah oui, ça c'est logique. Il y a une de mes pompes qui est boum, fermée. Ouh, ça devient juste d'un coup. Là, j'espère que ça va être comme l'électricité, la consommation d'eau va peut-être diminuer. Enfin, j'espère. Sinon, ça va être le bordel. N'empêche, c'est pas mal hein, comme petit bonus. Faites en sorte que 500 Sims se plaignent de l'eau en même temps. C'est pas mal. J'avais jamais vu ça. Comment ça, ma décharge est presque pleine? Eh oh, tu me fais pas chier, toi. Donc. Ah, mais c'est excellent ça, j'ai mis une route ici. Pour pouvoir mettre des zones de décharge après. Et c'est. Je peux pas les mettre là. Ça doit être trop loin. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais, mais j'ai plus de place maintenant dedans. Oh mon dieu. Bah, vous allez rester trop pleine, hein. M'énervez pas. Donc j'ai encore 42 mois d'extraction, ça c'est parce que j'ai mis la station d'épuration juste à côté. Je vais liquider ces deux-là, je crois, et je vais les remplacer par ça. Ah, c'est le double du prix quand même. Ça fait mal ça. Attendez, ça coûte combien? Et merde! J'ai pas fait attention. Je suis vraiment con. Bah ouais. Bah tu veux qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas rester comme ça pour l'instant. J'ai pas envie de dire que je m'en fous de ceux qui sont malades ou pas, mais c'est tout comme. Hein. Toi tu vas arriver à ton truc max, je le sens. Trop d'ordures, trop de germes à vendre. Ouais, ça c'est une bonne raison pour détruire un bâtiment abandonné. À vendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Wow. T'as baissé toi, non? Je veux que tout monte, pas que tu baisses. Toi pareil. Faut augmenter les gars, faut augmenter. Je vais rallumer l'école, hein.
Oh là là, je continue à être en déficit, ça m'énerve. Ouais, non. Je vais te laisser fermer pour l'instant, toi. Donc, on va switcher la prochaine fois sur la ville pour faire le recyclage qu'on va construire. Parce que là, ça peut plus durer, hein. C'est vraiment les ordures qui me bloquent. Je pourrais fermer plusieurs camions poubelles comme ça me fera gagner du fric. Je sais pas ajouter d'autres zones de déchets, tu peux pas comprendre ça. Ouais, voilà, ça va être la fin de la journée et je vais régresser. Voilà. C'est énervant de régresser, j'aime pas moi ça. Je vais voir si je peux pas encore descendre un peu ça. Ça change rien étant donné que j'ai pas d'industrie. Voilà. Les industries sont mieux à bloc. Allez, hey, faites-moi gagner du fric. Ouais, je suis obligé de le laisser comme ça, sinon ça va pas aller. Pourquoi il se fait direct un double clic? Je comprends pas. Donc. Je propose qu'on se laisse là pour cette vidéo. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Tiens, ça baisse. C'est bizarre ça. Je pensais qu'avec tous les camions ouverts qui vont chercher mes ordures et tout, ça allait plus vite augmenter plutôt que baisser. Mais bon. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à poster un commentaire pour me donner des conseils, pour aussi me dire quel type de ville vous voudriez la prochaine fois. Et surtout, si vous voulez que je continue ou pas les vidéos de Crysis 2. Toi, tu vas m'emmerder, je sens. Ok, j'achète de l'eau, ça va. Oh punaise, c'est pas possible. Je peux même pas l'acheter. Hein. Chevauchement, c'est une blague. Il y en avait un là juste avant qui chevaucherait que dalle. Mais rien, nada. Faudrait que je remplace une nouvelle. Hein. Ils vont m'obliger à faire ça. Ça veut dire détruire des trucs. Oh là là. Il faut que je trouve un endroit qui fait pas détruire beaucoup de trucs importants. Ouais, je me placerai là, plus tard, quand j'aurai assez de simflouze. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, encore une fois. N'hésitez pas à poster un commentaire, à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. J'aime bien avoir des abonnés, ça me donne envie de continuer de faire des vidéos. Donc au revoir à toutes, à tous, et à plus pour de nouvelles vidéos.